Bonjour à tous et bienvenue sur la Deus TV, on se retrouve pour ce 15e épisode sur le Let's Play de Factorio. Et aujourd'hui on va passer un petit peu aux choses sérieuses, puisque comme vous avez pu le voir sur le timelapse, j'ai construit une grande gare avec de multiples arrêts. J'ai rallongé un petit peu les lignes de four parce que je trouvais qu'elles étaient un peu courtes par rapport à celles que j'avais déjà. Donc cette grande gare va me servir, normalement on va essayer de faire en sorte, en tout cas, qu'elle me serve exclusivement pour tout ce qui est fabrication d'éléments de fusée. Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir là sur les recherches, j'ai fini toutes les recherches, entre guillemets, classiques. Donc du coup, il ne me reste que les recherches infinies. Vous voyez, ça va jusqu'à l'infini, de 7 à l'infini. Nombre de maximum de robots de combat, dégâts des missiles, dommages, des balles, etc. etc., etc. Donc des recherches qui au final ne seront pas forcément hyper utiles. Si la vitesse des robots ouvriers, ça j'aime beaucoup l'augmenter. Et puis la productivité minière, après tout le reste ne concerne que la baston. Donc étant donné qu'on est en passif, ça n'a pas trop d'importance. Donc en priorité on augmentera ça, mais donc j'aurai besoin des packs de sciences spatiales, les packs blancs, que l'on ne peut pas fabriquer et qui grosso modo nous sont donnés à chaque fois qu'une fusée part. Donc il va falloir envoyer des fusées et de nombreuses fusées pour pouvoir accumuler ces packs et faire ces recherches. Donc ici j'ai 5 lignes de four avec 5 gares, je pense que je vais en rajouter une sixième pour équilibrer, on va faire 3 gares de fer et 3 gares de cuivre. J'ai d'ores et déjà mis une gare de charbon ici, puisque je vais en avoir besoin pour le plastique. La gare de charbon qui va chercher le charbon ici. Donc ici j'ai fait un petit rond-point à 4 branches, somme toute assez classique. Ici donc une petite mine de charbon qui est exploitée. Et ici, une petite mine de pierre qui ramène la pierre jusqu'ici, donc pas très loin, pour alimenter donc mes usines de béton et de rail. Voilà, j'avais une exploitation ici, là où il reste des petits bouts, mais elle était complètement finie. Bon, c'est parce qu'on exploite le plus la pierre, donc ça a mis du temps à se terminer tranquillement. Mais là, j'en ai vraiment plus du tout, j'avais besoin de béton pour remplir un peu tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui est prévu également? Et je pense que c'est ce qu'on va faire surtout aujourd'hui. Alors, exploiter toute cette plaque de pétrole. On va centraliser un petit peu tout ce qui est exploitation pétrolière dans ce coin-là. J'ai du charbon pas loin aussi, si jamais j'ai besoin. En même temps, j'ai ramené ici du charbon. Alors, voilà. Comment je vais faire, je sais pas. Est-ce que je ramène le pétrole brut jusqu'ici et je me rajoute une gare avec du pétrole? C'est tout à fait faisable, histoire d'avoir tout au même endroit. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va se rajouter une gare avec du pétrole. Comme ça, ça me fera une belle ligne de gare bien jolie, avec la belle ligne de four à côté. Donc vous avez vu, hein, pour poser tout ça, je me suis pas embêté. J'ai exploité à fond les blueprints. Donc du coup après c'est les petits robots ouvriers qui travaillent tout seuls, c'est pour ça que j'ai rajouté pas mal de robots ports donc qui connectent. Et ici, voilà, là où je me trouve, ça connecte, c'est juste, mais ça connecte toutes les zones. Du coup, même en étant ici, ça me ramène également tout ce dont j'ai besoin de l'usine principale. L'usine principale donc qui commence à être chargée en fer et en cuivre, mais étant donné qu'il n'y a plus de recherche active, forcément ça stack un max. Voilà, tout est plein ici. Ah, j'ai oublié de corriger une petite chose sur les potions bleues, je vais faire ça tout de suite. Bon, ça c'est encore des restes de mes tests avec les répartitions des potions, etc., etc. La prochaine fois il faudra vraiment que je fasse ça dans une partie à part, comme j'avais fait pour le tuto sur le ratio des potions de recherche. Là au niveau des processeurs ça stack pas mal, oui on est quasiment à fond. C'est les modules de vitesse bizarrement qui me manquent, je sais pas trop pourquoi, je crois que je manque un peu de circuit rouge. De mémoire c'est à peu près ça. Où est-ce que c'est? Il doit pas être loin, oui c'est ici. Ouais c'est circuit rouge qui me manque, pourtant il n'a pas besoin de 3 tonnes et demie.
Bah, je pense que je manque de ligne. Je dois tout simplement manquer de ligne de circuit rouge. J'en ai pas assez. Il faudra que je prolonge ça un petit peu aussi. Mais pour l'heure, on va commencer à l'exploiter la base de pétrole qui est là-haut et on va faire notre petite ligne de train. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà tiré l'électricité, donc j'ai plus vraiment qu'à brancher. Là, il y en a vraiment partout, partout, partout. Donc on va essayer d'organiser ça de manière logique, que ce soit assez simple à tout raccorder. Ça va pas m'arranger. Là, oui. Là, ici, comme ça. Je pourrais sûrement pas toutes les brancher. J'aurais pas assez de foreuse, de chevalet de pompage. On va essayer de faire en sorte d'en avoir le maximum quand même. Voilà, après c'est un peu comme un labyrinthe, hein. On essaie de suivre les chemins, on vérifie que tout est bien connecté. Ici ça part par là, par là, par là, par là, par là. Ici, on repart par ici, ici. Donc ça récupère ceux qui sont ici en bas. Donc tout arrive là, là, ceux-là partent par ici et ceux-là partent ici. Voilà, et ceux d'en haut, enfin, ceux que j'ai pas connectés. Ça remplit, ça remplit, ça remplit, ça remplit. Ok. Il n'y a pas une qui s'arrête. Tout va bien. Donc on va laisser comme ça où je finis. Non, tant qu'à faire, tant qu'à être là. On va finir d'exploiter tout ça. Et voilà, tout est connecté, donc ça remplit, bon c'est déjà plein, mais bon vu le nombre de stations de pompage, c'est à peu près normal. Voilà, tout est alimenté.
Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la gare. Donc ça, c'est somme toute assez simple. On va faire déjà deux locaux, un wagon citerne. Ce sera largement suffisant. On va faire la gare par ici. Alors, un arrêt de train. Dans quel sens je le fais par contre? Je crois qu'il arrive par là, qu'il repart par là. On va faire comme ça. 1, 2, ça c'est bon. La locomotive. Je peux te mettre un petit peu de carburant si j'en ai. Parce que j'ai un petit quelque chose. Et non, j'ai pas de charbon, rien du tout. On va faire un peu de bois. Ouais, ça suffira pour commencer. Voilà. Et le wagon citerne ici. Voilà, avec les trois pompes électriques. 1, 2, 3. Comme ceci et comme ceci. Il n'y a plus qu'à les alimenter en électricité également. Là et ici. Et voilà, ça remplit. On va mettre. Je crois qu'il y a besoin. Est-ce que j'aurais besoin d'une seconde loco, je pense. On va la mettre, on sait jamais. Je sais jamais si j'ai besoin de faire un demi-tour ou pas. On repart par là. Ici. Donc ici, c'est un carrefour. C'est pas toi qui as la priorité. Donc on met un feu qui dépend des autres. On va mettre juste derrière un feu classique. On va en mettre un avant aussi. Donc là, la sortie elle est bonne et tu vas arriver de par là. On va faire le chemin à l'envers, ce sera plus simple. Voilà. Pareil, tu vas patienter. Donc c'est pas toi qui as la priorité. Donc tu vas patienter ici si jamais il y a un train qui arrive. Mettre un train là. Un feu ici. Un feu juste avant. Et un feu juste après. Et donc du coup, celui n'est que dans un seul et unique sens. Mettre le feu ici et un feu juste après pour annoncer qu'il a fini de passer le carrefour. Un feu ici et le reste ça ira. Voilà, alors ce train est prêt évidemment. Donc le carburant ici et donc on va l'amener jusqu'à une nouvelle gare qu'on va faire tout de suite. Donc il va arriver par cette voie ici, il va venir faire le demi-tour, enfin le demi-tour, il va prendre la voie qui est ici. Et on va lui faire une voie ici comme ceci. Alors, normalement j'ai un plan, alors c'est un plan qui doit comporter, si je dis pas de bêtises, voilà, qui comporte un déchargement avec des bras, mais c'est pas trop grave. Du coup, faut que je garde la place. Bon, on va le mettre comme ça. Et surtout, on va enlever tout ça directement. Voilà. On va faire gagner du temps. J'aurais pu laisser ça quand même. Avec le coffre bleu. Voilà.
Ah, j'ai plus, je suis plus dans la zone de couverture. Donc je rajoute un robot port, j'en avais un de près ici. On n'oublie pas de l'alimenter si on veut qu'il fonctionne. Ah, évidemment. Voilà. Ah, pourquoi il est pas dans la zone lui? Ah non, c'est qu'il n'est pas alimenté. C'est pas le même signal. Voilà, on va copier la demande logistique pour y mettre. Donc je suis passé au combustible solide, ce qui fait que le train va beaucoup plus vite, enfin, plus vite en tout cas qu'avec du charbon. Là, c'est en train de finir de construire ça. Je pense qu'il va manquer, oui, l'arrêt de train qu'on va appeler pétrole. Fusée. Donc fusée, c'est le nom de ma nouvelle gare, hein, puisque elle est exclusivement réservée donc pour la fusée. Et on va aller chercher le train qui est là. Donc lui, on va l'appeler pétrole. Mine 1. Lui, on va lui rajouter. Donc pétrole. Mine 1. Wagon plein. Et tu rajoutes pétrole. Fusée. Wagon vide. Et c'est parti. Ok. Donc le train est parti, c'est qu'il a bien trouver son chemin, il peut trouver son chemin jusqu'ici. Va rajouter un peu de béton, j'en ai plein. Voilà. Alors, maintenant on va te mettre pareil des pompes, trois pompes pour te décharger. On va pouvoir décharger ça directement dans mettre trois réservoirs aussi. On va venir placer plutôt par ici. Et 3, voilà, juste devant le train, comme ça on voit bien que c'est un train pour le pétrole. Est-ce que je peux faire un contrôle shift, enfin shift plutôt, shift contrôle. Alors non, ligne rouge. Voilà, c'est ça que je vais faire. Copier la couleur du. Est-ce que je peux le faire d'ici? C'est trop bien. On peut le faire sur la map, ça c'est pas mal du tout. C'est bon à savoir. Il manque l'alimentation pour les pompes, voilà, qui décharge et qui remplissent donc ces trois réservoirs. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à faire la réelle exploitation du pétrole. On va se faire une petite zone pour ça, une grande zone je pense. Alors, on va faire une zone. Si jamais j'ai besoin de rajouter des gares, on va se garder de la place par ici. Là, dans la zone orange, et puis dans la continuité. Donc, on va faire ça, grosso modo, ben, sur la plaque de pierre. Peu de choses près. Faire ça devant ici. Voilà, on va essayer de faire ça dans cette zone. Et donc on va rajouter tout ce qui est raffinerie. Je n'en ai plus, super. Il me faut de la brique. On va en demander. Des
des usines de produits chimiques, je vais en faire un peu d'avance. Et surtout, on va regarder ce dont on aura besoin pour l'exploitation. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de récupérer? Il va falloir faire du processeur, donc on aura besoin d'acide sulfurique, si je dis pas de bêtises. C'est ça. On a besoin d'acier, de plaques de cuivre et de plastique. Donc, on a besoin de plastique, donc de gaz pétrolifère et de charbon. Si je dis toujours pas de bêtises, voilà, c'est ça. Et pour, donc ça c'était pour, elles sont où là, pour les processeurs, pour les unités de contrôle de fusée, pour les structures à faible densité et pour le carburant. Donc voilà, c'est là qu'on va avoir besoin du combustible solide, pardon, qu'on va faire donc avec, on va essayer de faire ça avec du pétrole léger, puisque là, il y a besoin de 20 pétrole lourd, là de 20 gaz pétrolifère et là que de 10 pétrole léger. Donc on va essayer d'exploiter au maximum le pétrole léger. Voilà. Donc on va essayer de faire ça tranquillement. J'ai mes usines de produits chimiques. Est-ce qu'il m'a amené des raffineries? Non. Et mes briques de pierre, non, toujours pas. Est-ce que j'en ai des raffineries qui traînent par là? Des fois je les jette dans les coffres. Et du coup. Là, ils vont. Je sais pas trop d'où ils arrivent. Ah, ils me ramènent du béton. Moi, je vais demander 2000, c'est peut-être un peu beaucoup. En même temps, ça part tellement vite. Tellement, tellement vite. Alors, je vais avoir besoin d'eau. Donc, du coup, je vais aller chercher ça. Là, j'en ai pas trop trop loin. J'avais déjà tiré quelques lignes, donc on va tirer comme ceci et comme cela, ou plutôt même directement ici. Enfin, c'est pas trop loin, un petit peu loin quand même, mais du coup mes 50, j'en ai 100, donc 100, ça devrait aller. On va voir ce qu'il faut. On va mettre en place. On va mettre en place les raffineries déjà. Et voilà, on a de l'eau. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à connecter il ne reste plus qu'à connecter les réservoirs qui vont recevoir les différents produits. On va mettre 4. Où est-ce que, comment je vais placer ça? Alors, on va dire gaz pétrolifère. Ici, on va mettre au bout. On va mettre au bout parce qu'il y a d'autres éléments qui vont fabriquer du gaz pétrolifère. Et je pense que je vais me rajouter un robot-port parce que là, je suis dans une zone blanche et ça va pas m'aider beaucoup. On va se mettre le. Je pense qu'on va rajouter. Les réservoirs, le pétrole léger, on va essayer de le consommer au maximum.
peux le mettre ici, pas trop loin. Et pareil, le pétrole lourd, on n'aura pas besoin des masses. On va ajouter 4. Et pétrole lourd par ici. Donc 2 devraient suffire. Et voilà. Voilà, la raffinerie est connectée, tout va tourner, bon le temps que ça se remplisse forcément, ça devrait se remplir assez rapidement. Là j'en ai 4, là j'en ai 4, là j'en ai que 2 mais j'en produis pas beaucoup. On va transformer ce pétrole lourd en pétrole léger pour pouvoir l'exploiter directement en, en combustible solide. On va exploiter l'acide sulfurique. Pardon, le gaz pétrolifère pour en faire justement de l'acide sulfurique, donc du soufre, et donc il me faudra encore de l'eau, mais ça c'est pas un souci. Et pour l'acide sulfurique, je vais avoir besoin de fer, de plaques de fer, si je dis pas de bêtises, oui voilà, plaques de fer que j'aurai récupéré ici sur les lignes de four. Alors, pour les trains qui vont être ici, donc comme j'ai dit, je pense que je vais rajouter une sixième ligne ici en bas, un peu à cheval sur le béton, mais c'est pas grave, qui vont aller chercher du fer donc ici, ici, deuxième plaque, ils vont aller chercher du cuivre peut-être ici, mais très certainement ici, une grosse plaque ici, une grosse plaque là, même une énorme ici, il faudra peut-être faire un peu le ménage avant. Donc le cuivre, je suis pas trop inquiet, j'irai exploiter tout ça et poser les gares comme j'ai fait sur les autres trains. Et par contre le fer, il va m'en manquer un peu, alors j'ai posé des radars un peu partout. Faut vraiment, ça m'embêterait d'aller chercher aussi loin que ça. Là, ça me fait traverser carrément toute la map, une bonne partie. Et après les plaques sont pas énormes, elles sont même toutes petites, 700 000, 700 000, 1 million 6. 10 millions, ouais, il faudrait peut-être que j'aille chercher celle qui est là-bas. Donc prolonger cette voie et aller chercher là-bas, tout là-haut, ça fait très très loin. Pour passer, il va falloir que je fasse un peu le ménage ici aussi. Mais j'ai pas de grosses grosses plaques de fer à proximité, donc celle-ci est déjà bien exploitée. Celle-ci aussi. Si j'avais peut-être vu, oui celle-ci. Qui était pas mal, 6,7 millions. Donc je pense que ce que je ferai, je vous mettrai ça, je pense, si je m'en souviens d'ici là, en timelapse pour le début du prochain épisode, la construction d'un pont. Ici, je vais faire, je vais combler. Enfin, je vais essayer de combler en tout cas. Il n'y aura qu'une seule voie de chemin de fer, mais comme ça, moi, je pourrais couper ici directement à travers. Donc tout ici, et pouvoir récupérer ma ligne ici de chemin de fer. Cette ligne ici que je risque également. Donc là je suis parti vers la gauche, oui donc c'est cette ligne là que je vais prolonger et je vais peut-être m'arranger pour pouvoir en fait couper aussi directement dans ce sens là et faire un espèce de circuit en fait parce que sinon si j'arrive ici je suis obligé de faire tout le grand tour comme ça et repartir comme ça et faire le tour alors que je pourrais couper quasiment directement. Donc je pense que j'installerai tout ça, mais c'est très très long, donc je vous mettrai ça en timelapse ou pas, parce que c'est pas hyper intéressant non plus, mais si vous voyez ça la prochaine fois, ne soyez pas étonnés. Alors là j'ai un bouchon, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toi t'as un feu rouge, et toi t'as plus de... Ah voilà, my bad, j'ai complètement oublié de lui donner... du carburant. Oui, je l'ai placé ici comme s'il y avait comme s'il y avait un deuxième wagon, mais non, il n'y a pas de deuxième wagon. Donc le la deuxième loco est ici du coup. Voilà. Et on copie la demande. Voilà. Là, il n'y aura plus de soucis. Il va m'embêter. Alors
trois modules de vitesse. Je sais pas si je peux pas couper cette alarme là, ça va m'embêter. Ça va m'embêter. Ce que je peux faire tout simplement c'est ça. Et raffinerie. Comme ça. Voilà. Je suis plus embêté par les alarmes. Donc ça, ça va produire. Donc voilà, écoutez le programme pour la prochaine fois. J'espère que ce petit épisode vous a plu. C'est un peu la première fois que je fais ce type de base vraiment secondaire. Alors je dis secondaire parce que voilà, j'ai prévu de récupérer tout le du matériel comme depuis le début du jeu en fait. Sans exploiter tout ce qui est déjà présent ici et que je considère qui sera exploité juste pour les modules de recherche et pour la recherche en manière générale et pour bien sûr tout ce qui va me servir à fabriquer, donc les bras, les tuyaux, etc. Donc on va considérer que ça c'est l'usine 1 grosso modo, l'usine de base, et que celle-ci sera l'usine qui me permettra juste de faire la fusée. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce petit épisode vous a plu. D'ici là, je pense que je mettrai en place les usines de produits chimiques pour le retraitement des matériaux. Et je commencerai donc, comme je vous l'ai dit, à vous montrer où je vais chercher les différents minerais pour les ramener ici. Et puis on verra le programme pour le prochain épisode. Allez, je vous dis à très bientôt. Ah, ciao, ciao.